Bonsoir tout le monde. Dans le cadre du lancement des votes pour les 11 meilleures joueuses dans le monde entier, la FIFA Pro a organisé un vote en ligne. Alors, pour commencer, on colle ce lien, on clique sur ce lien qui va nous rediriger directement vers la page d'accueil. Alors, dans cette page, on choisit la langue qu'on veut. Alors, pour nous, on va choisir le français. Alors, ici, on a fait votre sélection Word 11. Alors, on clique sur démarrer et on suit les étapes. Normalement, c'est facile. On va prendre l'exemple du SCC. Alors, ici, quels sont les trois gardiens qui méritent de faire partie de votre sélection Word 11? Alors là, comme vous voyez, on a plusieurs choix. Mais on peut ne pas se contenter uniquement de ces choix-là. On peut rajouter des joueuses ici. Par exemple, on rajoute Remichi, par exemple. Remichi Khadija. On peut même rajouter une gardienne, par exemple, qui a participé à la Coupe d'Afrique féminine. Et à ce moment-là, on peut faire notre sélection. Moi, je vais faire au pif. Comme ça, je vous explique toutes les étapes. Alors là, on a 1, Barbara, Marie 2 et Khadija Armichi 3. D'accord? Et là, on passe au suivant. Là, je dois m'assurer qu'il y a 3 sur 3 sélectionnés. Ensuite, on clique sur suivant. Et c'est la même chose pour les autres postes qui restent. Alors ici, on a les 3 défenseuses qui font partie de la sélection des 11. Alors ici, la même chose, on a la même chose. On peut choisir 3 d'ici de la liste que la FIFA Pro nous a proposée. Sinon, on peut rajouter une qui n'existe pas, que ce soit du Maroc ou de l'Afrique, ben, en général, hein, du monde entier. Alors, 1, 2, on va faire au pif comme la dernière fois pour qu'on puisse suivre les étapes. Et là, on clique sur suivant. Ici, c'est 3 milieux de terrain et 3 meilleurs milieux de terrain. On va faire le même exercice. On a une liste et là, on a le choix de rajouter les autres qui ne figurent pas sur la liste. On va choisir au pif comme d'habitude pour qu'on puisse avancer rapidement. Et on clique sur suivant. Et on s'assure toujours qu'on a sélectionné 3 sur 3, sinon ça bloque. Alors ici les trois attaquantes, c'est le même exercice, c'est la même chose. C'est très facile. On va choisir au pif. Et là, si on a besoin de rajouter une. Par exemple, on met Zoraïdi, Ibtissam. C'est juste pour faire l'exercice. Normalement, ça, c'est pas un vote exhaustif. C'est juste pour vous montrer comment on choisit. Voilà. Et on fait suivant. Alors, ici, sur cette page, figure le résumé. Le résumé ou le récap de ce qu'on a choisi dans les gardiennes de but, les défenseuses, les milieux de terrain et aussi les attaquantes. Et là, si par exemple on a oublié une ou on veut modifier, on peut cliquer sur modifier le vote et on revient à la page qu'on veut modifier et on refait les votes comme ça. Par exemple, on a Zoraïdi par exemple, on veut par exemple changer des autres. Donc on désélectionne et on resélectionne ce qu'on veut. Voilà. Et hop. Voilà. Et on est revenu à la dernière page du récap des joueuses qu'on a sélectionnées. Et là, on clique sur envoyer. Soumission des données. Alors, on écrit, je dis n'importe quoi. Bon, je vais écrire mes coordonnées à moi.
Mon adresse mail obligatoire. Ensuite, ça c'est juste pour s'abonner. Normalement, on a voté, on a terminé. À la fin, on aura cette page. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Très bon courage et bonne chance pour la saison qui débute en octobre. Bon courage.